Monsieur Wagner, je vous remercie d'avoir accepté de nous rencontrer et de répondre à nos questions. C'est notamment à l'occasion de la parution de votre livre autobiographique « Les dessous de la réussite » que nous nous rencontrons aujourd'hui. Quels conseils donneriez-vous à nos téléspectateurs qui souhaitent réussir dans les affaires, par exemple? S'ils veulent vraiment tout savoir, il faudrait lire le livre. Bien entendu. Cela dit, si je n'avais qu'un seul conseil à donner, c'est celui-ci. La réussite intervient pour tous ceux qui sont volontaires, entêtés et malins. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez vraiment quelque chose, n'ayez pas de limite. On ne peut pas se permettre d'avoir peur d'être ambitieux. Revenons d'ailleurs à votre enfance, votre début dans l'armée et puis votre carrière. D'où êtes-vous originaire? Et dans quelle ville exactement? Bad Godesberg. Et ensuite, je me suis rendu à Beaune pour poursuivre mes études. Et après vos études? Je me suis engagé dans l'armée pour effectuer mon devoir de citoyen. Et c'est là que vous avez rencontré votre collègue et ami, Tom Stube. Vous faites erreur, je ne connais pas ce monsieur. Pour en revenir à votre expérience de soldat, vous n'évoquez que très peu ce passage dans votre livre. Serait-ce les traumatismes que vous y avez vécus qui vous ont poussé à ellipser toute cette période? Ça ne me paraissait pas nécessaire par rapport à ce que je voulais transmettre. Par ailleurs, moi j'ai fait des recherches afin de préparer cette interview. Et il me semble que vous n'apparaissez nulle part dans les documents officiels entre 1940 et 1950. Vous savez, c'était une époque très trouble. De nombreux documents ont été brûlés à Berlin et d'autres ont été égarés. De plus, j'ai pu remarquer que vous parliez très bien le français. Vous avez sans doute eu l'occasion de le perfectionner lors de votre passage à Reims. Je ne suis jamais allé à Reims. Ah, c'est étrange. Vous ne reconnaissez pas ce lieu? Et cet homme, il ne vous dit rien? Je ne connais pas cette personne. Dites-moi, à quoi jouez-vous? Il s'agit d'une photographie de Hans Beckermann, membre de la Gestapo de Reims. La ressemblance est stupéfiante, vous ne trouvez pas? D'ailleurs, d'après les autorités allemandes, saviez-vous que Hans Beckermann et vous-même êtes en réalité la même personne? Je ne suis pas Hans Beckermann, je suis Hans Wagner. Et les services officiels possèdent des documents qui le prouvent. Et pourtant, moi, je partage leur avis. Et je suis même convaincu que vous êtes responsable de la mort, de la déportation, de la torture de milliers de Français. Éteignez la caméra. L'interview est finie. Et faites attention où vous mettez les pieds si vous voulez continuer votre carrière. D'accord? Félicitations, messieurs. Votre interview passera à la une du journal de demain.